parler ce matin. Dirigez par ton esprit, Seigneur. Oh Dieu de paix, je t'en supplie, Seigneur. Pardonne-moi. On va réclamer le sang de l'agneau. Le jour où Dieu m'a donné ce message, j'ai commencé moi-même à commencer à sanctifier mon cœur. Commencez moi-même et répandis moi-même. Je n'ai pas parlé à mon cœur, tu voilà. Ou pas moi, les gens pleurent de combat. J'ai commencé moi-même à me sanctifier. Je vais réclamer le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus. Que le sang de Jésus te purifie du matin. Réclame ton sang. Oui. Oui. D'abord, je commence par le verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas le péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point dans nous. Le verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute injustice. Il faut croire que Dieu t'a pardonné. Crois au pardon, la miséricorde de Dieu. C'est par moments le diable arrive à culpabiliser certaines personnes. Vois le message du prophète, voici le message. Toi, Dieu ne peut pas te pardonner. Dieu, à Satan, il était mon cœur. C'était mon cœur. Dieu venait te pardonner tous tes péchés. Il t'a pardonné tous tes péchés. Il a même jeté dans la main d'oubli. Amen. Alléluia. Nous allons affronter le combat. Amen. Tu en face de toi un combat. L'ennemi est en train de combattre ton foyer. L'ennemi est en train de combattre ta vie. L'ennemi en train de combattre ta destinée. Tu vas parler à celui qui ne veut pas que tu rentres dans ta destinée. Tu vas ordonner une parole sur lui. Et qui envoie la paix de cette année, qu'on n'entend plus parler de lui. Prie le Seigneur. Ouvre la bouche et parle à Dieu. Ouvre la bouche et parle. 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 Oh,
bénédiction quelque part. Là où ta bénédiction est cachée, tu vas ordonner que le Saint-Esprit va prendre ta bénédiction, te ramener ça. Te restituer ta bénédiction. Prie le Seigneur. Au cas où je parle. Prie. Je libère ton âme.